Salut, toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Aujourd'hui, épisode 10 cette fois-ci, du Follow sur The Last of Us Part 2. Je venais de récupérer un arc dans l'épisode précédent que je t'invite à aller voir, évidemment, si tu ne l'as pas vu. Ça va le faire. Ça va le faire exactement. Ou encore aller checker la description si tu as envie de rejoindre mes différents réseaux. Ok, je le répète à chaque fois, c'est pas pour faire du forcing, hein, même là. D'accord. Putain, j'assure toujours. Sauf qu'il y a un trophée comme quoi faut. Toucher. Toutes les cibles. Headshot ou pas? Dommage. Et ouais, du coup, c'est pas du forcing le fait que je dis à chaque fois oui, les réseaux machin, c'est parce que beaucoup de gens me demandent ah, t'as Twitch quand je suis sur Twitch, ah, t'as Twitter, et ainsi de suite. Du coup, voilà. Moi, je dis pas abonne-toi, lâche un like, hein. Fais ce que tu veux, mais tu sais que les liens sont là. Si t'as envie d'aller voir, n'hésite pas. Bon, j'ai récupéré plus de flèches que j'en avais avant. Attends. On va tout de suite tester ça. Hé, hey, les chiens ont flairé quelque chose. Je crois qu'il est en bas. C'est pas possible. Il est encore ici, il vient de faire sauter un camion. Tu crois? Ouais, putain, j'en suis sûr. Dispersez-vous! Ils sont peut-être plusieurs! Si je bute le chien, il va s'en rendre compte, je pense. Si je bute que le mec, on s'en fout, on va tester. Ah, c'est triste aussi. C'est encore plus triste de faire ça. Ah, mauvais bail de tuer le chien par contre. Ça a pas de sens. C'est ridicule. Explique-moi comment tu sais que je suis là. Fouillez tous les bâtiments dans la zone. Faites gaffe, Oscar. Faut pas tuer les chiens. Je suis dead. C'est beau. J'aurais plus. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? T'as flairé quelque chose? Ah, le fils de... Par ici! Oh, tu m'as jamais? Ah, dommage, hein. Ah, le chien! Le bâtard! C'est moche! Ouais, bon. De toute façon, j'aime pas utiliser mal, faire du bruit. Ah, c'était bien, putain, j'ai tué le chien et du coup. C'est quoi cette merde? Dommage, le chien ça fait. Pourquoi on part de là? Eh, les checkpoints pétés comme ça, ça me casse les couilles. Tu sais, il met des checkpoints tous les 2 mètres et demi quoi.
On va faire le grand tour. Quel connard ce chien. Ouais, je les vois pas. Je les vois pas du tout. Non mais gros, à demi-tour un peu. Oh, je suis dead. Hein? Quoi? Rien du tout en fait. Quand je suis dans le noir, hein. Oh. Les demi-tours sont compliqués. Pas te mentir, les demi-tours sont très compliqués. Ah ouais, non, les checkpoints, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je tue quelqu'un, il y a junk point, ça me fait taper des barres. Oh, ça me fait chier parce que j'ai perdu des flèches du coup. Oui, il court. Les chiens sont relous de ouf par contre. Oh mais... Oh la lourdeur du chien quoi. Allez, allez, c'est fini. Allez, vas-y, bute. Ah, la bastose dans le crâne. La lourdeur du yinche. En plus il y a l'autre qui venait à droite, forcément je l'ai pas vu. Et le soleil casse les couilles. C'est pas drôle. Putain de chien, pouvez me lâcher la grappe. Tous les bâtiments dans la zone. Intéressant. Chien est relou. Ouais, je sais qu'il y en a une derrière. Non mais... Putain, les gens, lâchez-moi la grappe là, c'est fatigant un peu. Ah, je vois R. Je vois R. Il fait noir, le soleil dans l'écran, je vois que dalle. Non, je l'esquive le chien. Non mais arrêtez de cheater, je l'esquive le chien. T'as vu, j'ai frappé 8000 ans avant qu'il saute. Peut-être pas non plus, hein. Rééquilibrez votre jeu.
Il a disparu quoi. Où est sa tête? Par où? Très bien. On continue. Mais elle l'a pas saisi. Elle l'a pas saisi. J'ai martelé. Mais ouais, c'est de la merde. Bah c'est fini, je suis baisé. Ouais, voilà, y'a le chien. Allez, vas-y, mets-moi. Ah non, par contre, c'est cheaté de ouf, ça. Alors le chien, je le bute. La meuf, je la saisis. Mais non. Ah ouais, forcément. Forcément. C'est... Bah dis donc. C'est pas si parfait que ça, hein. Viens, 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 viens le chien. Toujours une qui me surprend derrière. Il y a des chiens partout. Tu sens quelque chose? Putain de chien. Mais regarde, t'as vu comment c'est cheaté? Oh, t'as bien vu, je fais le mouvement 8 ans avant le chien. Encore une fois, j'ai encore frappé avant le chien. Vas-y, tue-moi. Casse-couille le soleil, réglez ce problème. Bon, maintenant le jeu qui cheat, comment on fait? C'est pour les voisins qui tassent, avec qui laissent les couilles. Je vais être tangué ici. Hein. Allez, viens. Le problème, c'est qu'ils vont. Ah ouais, mais ça, c'est une blague. T'as vu comment c'est cheaté ça? Alors tu vas en haut, tu vas en bas, tu vas en bas, tu vas en haut. Suis-moi, allez-y. Allez-y, c'est bon, faites les malins. Faites les malins. Ça c'est un truc que je tolère même pas en ultra difficile de la mort qui tue, tu vois. Parce que, imagine que t'as un mode où tu meurs, le jeu tu recommences. T'imagines, à cause d'un cheat comme ça? Ah c'est fatigant quand même. C'est dur de faire un jeu parfait. Qui me voit? Récupérer mes flèches, je commence à m'éparpiller. Je crois qu'il a fait rien. Qu'est-ce que tu sens? Ta gueule!
de chien qui me piste. Ok. Ton chien a trouvé une piste ? Que dalle, moi. Allez, mon grand. Viens, viens. Et il passe, l'enculé. Ah, faut arrêter le cheat. En vrai, je le massacre, le chien. Le chien, il t'arrive au coin, tu sais qu'il arrive, tu mets un coup de machette, il stop le chien. On lâche rien. Regarde, elle le saisit pas. Mais gros, mais c'est quoi ça? Putain, je suis en train de spammer triangle, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est un truc de ouf. Bah alors les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes partis bouffer à ce niveau-là du jeu ou... Tout le monde est parti, c'est les stagiaires qui ont fait ce niveau. C'est chaud là, hein. Ah, parce que maintenant j'ai commencé à tuer des gars, je récupère mes flèches. Hein. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là ? Son chien est con. Hein. Bon, ils font pas la même chose, c'est déjà bien. C'est con, hein. Oh non. Non. Vas-y. Putain, mon chien est mort. Y'a quelqu'un ici? Hey, fouillez tous les bâtiments dans la zone. Je veux récupérer mes flèches. Une fois sur 50 000. Là, je me suis dit, je vais pas le saisir, tu vois. Je vais appuyer sur carré pour lui direct. Non. Bon. Qui? L'autre là-bas? Qui me voit? Allez, hein. Personne derrière, théoriquement. Pas de chien non plus. Je peux pas récupérer mes flèches. Fait plaisir. Je peux confectionner des flèches. Oh, je suis con.
Et que quand on les confectionne les flèches. Ah, okay. Ah mais. Quoi? 3 sur 6. Ah c'est x2 à chaque fois les flèches. Je pose des tirs à la tête en fait pour la récupérer. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Je crois que ça venait de derrière. Peut-être. Ah merde. Bon quoi. Bâtard de chien de mort. Qu'est-ce que c'est? Tu sens pas ça? Beaucoup de chiens ni beaucoup de monde tout court. J'ai bien récupéré mes flèches. Ouais. J'ai investi dans les flèches. Il y a une autre personne à gauche, j'ai entendu. Quelqu'un la voit? Allez, quelqu'un l'a vu? Je trouve rien du tout. Quelqu'un la voit, quelqu'un l'a vu. Oh putain. Ah putain, c'est en dessous, c'est pas bien. Maintenant que j'y pense. Et où? Ok. Oh. Chloé, ils sont deux. Je me stresse à faire ça là. Tout le monde peut sauter au sol. On cache-cache. Une trace d'elle. Quelqu'un a un putain de visuel. C'est du dernier, je pense. Genre tu vois pas l'arc, tu sais qu'il passe. Ok.
commence à m'énerver, l'autre là où à faire des conneries comme ça. Mais tous ces trucs là destructibles. Prévu pour faire du joli gunfight. Cette belle assiette, ces beaux vases. Passe par là du coup ou pas? Elle va se retourner. Ok, on rentre. On fait que tourner en rond. Hop, demi-tour, tac. Voilà. Y'a son père. Oh, ma flèche. Tu fais headshot là, hein? Genre je lui ai pas planté dans la tête. Quelle indignité. C'est bon. Vous pouvez enlever cette musique de merde, y'a plus personne. Enfin normalement. En vrai c'est pas sûr. Bon lui on peut pas récupérer, on peut en récupérer. Y'en a que j'ai été un peu partout. Ah là y'a une flèche, une belle flèche là. Tac. Là on peut récupérer quoi? Ça, c'est tout ce beau monde. On s'en fout. Ça, c'est mort. Il n'y a pas encore quelqu'un par là. Parce que la musique s'est pas arrêtée. Elle a dit nickel. Donc je suppose que c'est un petit signal comme quoi il n'y a plus personne dans la zone. Mais sait-on jamais? Ouais, ok d'accord. Ah, ils sont deux. Tu l'as pas repéré? Super. Ah, il y a encore un putain de chien. Hey, je crois que j'ai repéré. Allons voir ce qu'il y a. Ça va être chaud là. Skyler, t'as quelque chose? On l'a trouvé. Oh non, non! Doucement, t'énerve pas. Ouais. Ok. Je vais te trouver. Effectivement, tu m'as trouvé. Bien joué. Tu m'as eu. Ok. Il fait un bon gros dodo, le doudou. Ah. Voilà, la musique a changé, là il n'y a vraiment plus personne.
C'est bon pour le de, pour la nuque, hein. Bon, pour quand tu prends quelqu'un en otage, c'est la première fois que je le faisais. Enfin, dans The Last of Us, je veux dire. Et en fait, ça bouge tellement. Souvent dans les jeux, quand t'as quelqu'un en otage, bon, ça bouge pas tellement. Là, c'était dur de viser quand même. Ça veut dire, j'ai eu du mal à le refroidir. On va utiliser une pause de soin. Hop, nickel, on s'attaque. Tac. Est-ce que je peux confectionner directement via ça? Non, mais les munitions, oui. Okay. C'est bon à savoir. Petit cabanon. Un petit cabanon qui servait en fait d'issue au niveau. On va aller voir par là si j'ai rien oublié. Non. Non. Ok. Ok, ok, ok. J'ai sûrement peut-être oublié des trucs, je sais pas forcément. Tout fouillé à 100%, oui. J'ai passé bien assez de temps dans ce niveau de mort. Allons voir ce côté. Pourquoi est-ce qu'on ramène autant d'escouades pour un seul en plus? À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station TV. Ils croyaient que c'était les Scars, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Ils l'ont trouvé. On va les aider. Hein? On a des ordres. On reste ici et on bloque toutes les issues pour l'empêcher de s'enfuir. Tiens. Metal Gear Solid. Les chiens, c'est pas ce que je voulais. Qui a pu faire ça? Pas beaucoup, j'avoue. Là, je suis dans le. Tiens, on va. Non, c'est moi. Ouais, là, je suis dans le truc. Désolé. Tellement de boules, ça marche. Quoi? Il est con le con, quoi. Prends toi pour me buter ou comment ça se passe? C'est terminé! Et on fait, hein. C'est bien, on explore toutes les façons de mourir dans The Last of Us. Oh, ça c'est bâtard par contre.
Arrête de tirer. T'es relou, mec. Tellement chiant de tuer comme ça. C'est fou là. Ta mère, putain. Mais ouais, mais ta mère aussi, l'autre sur ton toit là. Putain, la lourdeur quoi. Vas-y, tue-moi. T'es là, tu fais tes bails. Oh bah non, il y a quelqu'un sur le toit. Bah dis donc. Ah putain. Supportable. Ça commence à me saouler. Te faire dans la dentelle. C'est qu'ils sortent que après. Hein. Petit manu. Hein. Quand t'as pas la bonne caméra, hein. Putain, quel enfer. En fait, c'est des bons fumigènes que je monte depuis tout à l'heure. Les trucs que je balance, c'est des putains de bons fumigènes de merde. Enfumez-la ! Allez, allez, allez ! Vas-y, contourne là ! Ouais, j'y vais. Ah, mais gros. C'est le cas, quoi. Ouais, bien sûr, je suis en train de t'attaquer, gros. Ah, c'est vraiment le niveau des stagiaires ici. Par le côté. Putain. Ouais, super, c'est des grenades incapacitantes en fait. Quel truc de merde. Je suis en fouille.
ici! À l'aide! Je continue comme ça ou pas? Avec cette santé là? Oh, j'ai envie de tenter. Enfin, le zétique. Tu peux me dire ce que tu fous là? On doutait que c'était lui. Comme si j'allais vous laisser partir seul. Jesse. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va, tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. Hé, hey, pas de conneries, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Je prends celui-là. J'ai cru voir quelqu'un. Viens, on va voir. Je suis derrière toi. Il fait pas son taf, c'est vraiment un gogol. C'est vraiment un gogol monumental. Ah, quel bouffon! T'es un gros bouffon. Ah, t'es un gros bouffon. Ouais, je prends celui de gauche. En fait, je sais pas. Si, ouais, celui de gauche. Ah, non, t'as pris celui de droite. Ah, t'es en train de tuer celui de droite. Bah, ouais, du coup, je tire sur celui qui est de gauche. Putain d'abruti de merde. Je prends celui de gauche. Putain, encore. Il y a peut-être un intrus. Me fume, putain. Vas-y, je te couvre. Oh. Faites la barrière! Oh, on avance! J'y vais! Bon. Qu'est-ce qu'il Allez. Passe? On a une intrusion. Je prends celui de gauche. Ça encore? On fait un pli. Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi. Embuscade! Juste ici! Quoi? Mais fais ton taf un peu là, t'es relou. Je l'ai eu! Jack! Coincé là! Ok! Mais... Putain, les guns, c'est violent. C'est une blague. Mais... Mec, meurs, tu t'es pris une balle à la tête. Quel enfer. Plus de santé, plus de balles à cause de ce bouffon là. Vite! Ah! Jesse, sors de là!
ça permet bien. Ça aurait été vachement utile. Alors pas du tout en fait, mais c'est vraiment un niveau stagiaire en fait. C'est vraiment un putain de niveau stagiaire celui-là. Eh ben, c'est un bon niveau de merde en tout cas, celui-là. Dina! Salut. Oh, c'est pas vrai. Jessie. Salut Dina. Que je me repose un peu. On se dit 15 malaise. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand d'être Jackson? Un jour après vous. Mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Ça peut même pas chialer, quoi. Ah, non, s'ils font chialer Ellie, vraiment. Enfin, c'est pour ça, je veux dire. Encore, elle chialait au début du jeu, mais c'est normal, elle a vu le jeu aller mourir. Elle va chialer pour ça, quoi. Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Et apparemment j'ai eu des bugs. Sa lanière passe à travers... Franchement, boudé pour si peu. Passe à travers sa veste. La main de Jessie, non, la main de Dina passe à travers le tissu qui était posé sur la caisse. Vraiment, cette section-là, je sais pas, c'est bizarre. Très bizarre, on dirait vraiment qu'elle a été faite à l'arrache. Mais bon, ça servait à rien. Clairement, ce niveau n'a servi à strictement rien du tout. En fait, on a été à un endroit... On s'est battu avec plein de gens, tout ça pour trouver Jessie et revenir au théâtre. Voilà. Ça servait à rien, clairement, on va pas se mentir. J'aime beaucoup The Last of Us, mais là, quand c'est de la merde, faut le reconnaître. Et là, ce niveau, c'était de la merde. Aucun intérêt. C'est, pour l'instant, depuis le début du jeu, c'est vraiment le pire niveau. Creux, aucun intérêt narratif. Mais là, on va repartir sur un flashback avec Tommy en plus. Ça va être intéressant.
Voilà, écoute, sur ce, donne rendez-vous le week-end prochain, hein, pour l'épisode 11 déjà, du follow sur The Last of Us Part 2. En attendant, passez une bonne journée, bonne soirée, une bonne nuit sur l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas, car moi je n'oublie pas. À la prochaine, tchuss.